Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je me nomme Christine. Ce jour René et moi allons vous expliquer les plantes utilisées comme bioréacteurs des vaccins. En effet, certaines plantes transgéniques ont été identifiées comme des systèmes d'expression prometteurs pour la production de vaccins. Des plantes complexes telles que le tabac, la pomme de terre, la tomate et la banane peuvent avoir des gènes insérés qui leur permettent de produire des vaccins utilisables pour l'homme. Des bananes ont été développées qui permettent de produire un vaccin humain contre l'hépatite B. Nous vous en remercions et restons à votre disposition. Christine et René. Bon.